Oh là, l'Afrique. On s'en doutera pas avec cette chaleur immense. Heureusement que je ne reste que 4 jours. Quelle drôle de langue. Je me demande si c'est du Xhosa ou bien une de ces autres 11 langues sud-africaines, dont je ne connais que l'anglais. Du français aussi? Non, j'hallucine. Ah, c'est pas possible. J'entends du français. Ça doit être la fatigue. Oui, il me fait penser à une numéro, n'est-ce pas? Un tap-tap m'amène à l'hôtel. Je trouvais chaque fois le comportement du conducteur quand il m'a demandé de faire passer les 15 rangs au devant du minibus, alors que les autres passagers trouvaient ça assez normal. Il a vite commencé à dracher, mais il y a cependant toujours cette chaleur impressionnante et lourde qui m'accompagne depuis mon arrivée. Jamais de ma vie je n'ai entendu des coups de tonnerre aussi impressionnants. J'ai décidé de me réfugier dans ma chambre. La fatigue s'est emparée de moi et la pluie. Maintenant, ça dégouline à l'extérieur. Les gouttes chuchotent des nostalgies à mes oreilles submergées de sons paradoxaux, si étrangers que familiers. La mélodie pluviale me rince de mes doutes concernant la conférence de demain. À la chaîne française, à la télé, je vois qu'il y a de la poudrerie en France qui me réconforte. Je pense que je vais laisser allumer la télé pour que ma langue native me berce dans un sommeil long attendu. Oh là là, je suis vraiment en retard. Mais comme elle est belle! Une vraie beauté africaine. Bah, joue le coup, Jean. Ne te montre pas fada devant cette beauté vigousse. Molo boutingak patalandon. Qu'est-ce que je veux, cher? Hello, I would like a croissant, s'il vous plaît. Dites quoi, l'espat, là? Un croissant. Yes, and the ristret. Nekov, pure trusse. Et en ristret. Au pire du diagramme, on voit die pad van invallende en uitgaande ondes akoestiek in die kop van 'n typiese tand baleine. Le son se produit deur die foniese lippe soos aangedui, vanaf verskeie oppervlaktes gerifflet en deur die olievulde voorkop na buite gestraal. It would be wonderful if you want to join us for lunch. Tout le monde sera ravi de rencontrer le champagne connu de France. Oui, merci. I would love to come to the déjeuner. I will meet you there. Parfait. It's at Café Riche, on Church Square, au centre. Salut. Ah, I'm so glad to see a familiar face. I struggle to know what is happening since my arrival in South Africa. We spoke to each other and I understood. And now, it's like I'm back in France. Utingatu sekai. Galoxi pelletinem zans. Goa songe apas yavan. Noas teti ilumo fana. Goda ta ungengo walapa. Vous voulez dire que vous avez l'impression d'être chez vous? Bon, il faut que je vous explique quelque chose. C'est normal que les Sud-Africains se comprennent bien que nous parlions 11 différentes langues. Nous y sommes habitués depuis longtemps. Dans notre pays, de nombreuses langues maternelles différentes vivent côte à côte. Alors, plus vous passez du temps en Afrique du Sud, plus vous entendez les Français, car notre pays accueille différentes langues et gens. Dans votre cas, c'est le français.
pourquoi ne pas rajouter encore une langue à la liste? Vous deviendrez finalement une vraie personne. Au moment où vous vous sentez à l'aise dans les pays que vous visitez. Et there is no translation necessary.